Allô? Je viens Oui, je suis là. à l'appartement. Tu m'as aimé plus que tout. Walk in love. Marcher dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans son amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love. Marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Coucou. Marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de l'amour. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in life, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher. Coucou. On t'a envoyé chez Senghor, maintenant tu veux plus de lui. Connectez-vous, gars, j'ai un peu plus. Je suis fatiguée, hein. J'avais signé son livre. Walk in love. Donc, comme j'ai fait longtemps sans me connecter là, donc vous ne partagez pas, vous avez oublié la règle. Ariel! Voilà aussi un ex avec les pleurs. Coucou Lucie. Coucou Léonie, comment tu vas? Effet de iPhone 12. Fiston, arrête ça. Ne me distrais pas. Je dois être très concentrée. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de rire. Normalement, je ne dois pas rire. Je ne dois pas rire. Parce que ce que je traverse là, ce que je traverse depuis quelques jours, depuis presque une semaine, ce que je traverse, et Dieu, ce que je traverse. Et Seigneur Dieu, et Dieu. Comment? Partagez ça, pardon, partagez ça. Partagez, je peux pas, j'ai pris trop, ça m'a pris tellement de force, de courage pour pouvoir me connecter. C'est pas facile pour moi, ce que je traverse depuis quelque temps. Mon mari qui m'humilie partout sur la toile, qui m'humilie partout. Tout sur la toile, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. On prie avant le socorro. Suis ton meilleur gars, tu ne peux que. Tu ne peux que. Ouais, Ariel, arrête ça. Je n'ai pas envie de rire. C'est pas le moment de rire. Mais Loulou, partage ça. Il faut qu'on soit. Vous connaissez. Comment ça se passe? On est 200 ou 300, 300 personnes, je lance, partage dans les groupes, partagez sur les pages. J'ai fait presque 2 semaines sans me connecter. Je suppose que je vous ai manqué. Et vous aussi, vous m'avez manqué. Donc, pour qu'on soit rapide et bref, partagez. Coucou Léa, ma barre. Il ne te mérite même pas. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Regardez comment j'ai fané. Mais attendez, j'ai fané. Mon teint, il est en train de partir. J'ai fané. Mais je ne suis pas fané pour un nain comme ça. Je le respecte. Il me respecte. Moi, c'est pas normal. Hein? Je ne peux pas passer en route. Je passe en route. Tout le monde me stoppe. On me montre les vidéos où il est en train d'embrasser. Partout où je passe, on me stoppe. On me montre les vidéos où il est en train d'embrasser les conneries là-bas. Oh, il n'y a pas qui prestige. Partagez ça. Mes ex en ce moment, mes ex.
Je me demande bien ce qu'il cherche dehors. Donc, je me pose la question de savoir ce qu'il cherche dehors. Il y a quoi dehors que moi, Jennifer, je n'ai pas? Il cherche quoi dehors? La beauté, le teint. Je n'ai pas le teint. Voilà le teint qui brille, non? Je n'ai pas. Voilà pas les seins. Je n'ai pas les fesses. Il cherche quoi dehors? Hein? À copie, il cherche quoi dehors? Enlève tes bas, Brice, là. On ne te voit pas bien. Je n'enlève pas. Regarde-moi une autre. Tu as un peu quoi les bas, Brice? Tu as vu ce que j'ai porté, là? Mais là, il faut respecter tes aînés, hein? Que les bas, Brice. Arrête ton chat, hein? Hmm? Il ne t'a même pas bien piné. S'il avait bien piné, tu devais être nabo comme lui. Fiston, c'est quel langage ça? Hein? Piné, piné, naweti. Ça c'est quoi? Je me suis. Piné c'est quoi? J'ai mal aux yeux, maman, pardon. C'est pas le langage, j'ai très mal aux yeux. Piné, 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 c'est quoi? Tu te mets devant les enfants, tu sais pas que les filles sont les enfants qui sont en train de me regarder. Piné, 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 c'est quoi? Hein? Arrête ça, hein? Que piné? Tu peux parler, tu fais 8 ans en France, tu te connectes, tu parles, tu pour écrire un message, tu dis piné. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ha! Oh oh! Tu es aussi là, tu es connecté, on dit voilà un esqui qui nous regarde. Tu prends ta grosse tête encore, tu dis que oh, piné, piné c'est quoi? Tape sur le profil des filles là, tu vois que ce sont des enfants. Hein? Mec 2, ça c'est quoi? Maman, laisse-y, va regretter. C'est quand on paye quelque chose qu'on connaît vraiment la valeur. Je souhaite qu'il regrette vite. C'est ton elle là qui me offre. Ah. Mes bébés, partagez ça. Vous êtes 146. Si vous êtes 146, est-ce que 646 personnes, 146, ou c'est 100? Voir comment aussi c'est un gomme, il n'arrive même plus à m'exprimer en français. 146, 146, c'est quoi? Yosh. Yo aussi Rambo. Voilà aussi Rambo avec les 5 partout sur Facebook. Les fesses pliées, pliées dehors. Moi, je ne comprends plus rien. Kouteli nous aussi pris les bureaux. On va encore respirer. Marc, pour moi aussi aller à Libreville. Vraiment, ouf. Non, 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 non. Pardon, partagez au direct ici, là. Je ne peux pas. Quand je me connais, le conseil. Donc, tous les records, on n'a pas fait depuis. Je fais tout ça maintenant et sors, moi, sur ça. Hmm? Amy aussi. Amy, Dany, Basson aussi, Africa Food avec les bureaux. On va encore respirer. Noël Kemoué. Noël Kemoué aussi, elle a ouvert sa part la boutique Dangote Shopping là-bas, à Nube. On va vivre. On va vivre. Écoute, tu as quoi à nous dire? Gagnons en temps. Georges, si tu es pressé, non, tu te déconnectes, après tu reviens voir Nobé. Ça, c'est quoi? J'ai dit que si on n'est pas 200, je me couche, je dors. Vous avez la personne qui est pris là, non? Si on n'est pas 200, je me couche, je dors. Eh, eh, en bout de Jennifer. Donc, 2 semaines qu'elle ne me connecte pas. On lui a dit partager, vous me regardez comme le phobie. Arrêtez vos chats, hein? Alors voilà comment ça monte. Partagez. Qu'on est 200, on lance. Merci. Maman, n'oublie pas aussi que c'est les effets du iPhone 12 Pro, Marcel. J'ai pas moi acheté le iPhone là. Hein. C'est un cadeau. C'est un cadeau, le soco. Quand vous dites, il y a le soco et le soco. Le bon soco paye. Vous connaissez, non? Je vais vous raconter l'histoire du iPhone Pro aussi là. C'est une histoire, je dois raconter. Maman, je pouvais retirer 1 300 000 pour acheter le iPhone 12 Pro aussi. Non, je ne peux pas moi. Mais t'es pas acheté, j'achète quoi avec même? Mais je garde à la rentrée, j'inscris mon petit fanfare avec. Tu donnes un kid, non. Non! C'est qui la belle vie? Belle vie qui a, tu n'es pas jumelle pour dire que nous on quitte. Dis que je quitte. Parce que chacun est venu sur ma page ici seul. Quelqu'un n'a pas arrêté la main de l'autre pour venir. Si tu veux quitter, tu vas quitter seul, oh. Aujourd'hui, on a eu un rambo raillé le ou. Vous l'équipe pour Nintendo encore.
on part. On dort. On part. On avec qui? Tu es jumelle, maman. On a eu au gars. Tu sors pas prendre l'autre. Ah ah, ça c'est quoi? À cause où? What is it? Tu es trop belle pour pleurer pour lui. Tes es. Maman, l'amour est plus fort que tout. J'aime le neng là. Avec sa taille là. Vous ne connaissez pas comment il est romantique. Pourquoi tu ressembles à Shakiro ici, mamisa? Shakiro, c'est pas un être humain. Avec ta tête comme l'angle de la brouette, que tu ressembles à Shakiro. Toi, tu ressembles à quoi? Quand je t'offre le iPhone 12 pour notre reconciliation, tu ne dis rien en tout cas. Ouais! On veut l'histoire de Rambo. On est 200, je lance. Il y a trop les histoires. Il y a trop d'histoires à raconter. Mm-hmm. Merci, Marie. Donc, vrai, c'est ton gars. Tu es trop belle. Non, c'est mon gars, maman. Vous pensez que le mariage est facile d'or? C'est mon gars. C'est mon gars. Ne me trompez pas. C'est mon gars. Je vais vous raconter. Mais je suis en train de le bouder depuis là. Et je pense qu'on va seulement se séparer. Je le boude et on va se séparer. Mec deux, ça c'est quoi? On va se séparer. Depuis hier, sa famille est là en bas de chez moi. La famille pleure, ses amis pleurent. Son entourage pleure. J'ai dit que niette, je ne peux pas pardonner ce que le gars là m'a fait. Je ne peux pas. Je me donne corps et âme. Un imbécile comme ça là, il dit corps et âme. Poupina! Oui! Maman, tu es à l'heure! Attendez, je vais. J'ai ma soeur qui arrive. Je suis en live. Antonin! Donc. Mamie, on va quand même sauter au noir. Ça fait longtemps que je n'ai pas entretenu les gens ici. Attends un peu. Donc, j'étais en train de dire ceci. Je ne peux... Vous ne connaissez pas comment j'ai rencontré Senghor. Quand je me rappelle les conditions dans lesquelles... C'est triste, je vous assure, c'est triste. J'ai rencontré l'idiot là, Panda là-bas, à Tonnerre. J'ai fait sa rencontre un soir dans une station là, il pleuvait là-bas à Tonnerre. Vous connaissez Tonnerre, non? Ici à Douala, Tonnerre là-bas, Panda. Donc, je t'ai sorti faire les courses. Il pleuvait. Attends, tu mourrais, c'est mort. Ouah, Panda, je parle là, Panda. J'ai dit, je dois aller faire mes courses. Je vous raconte comment j'ai rencontré Senghor jusqu'à ce qu'il me demande un mariage et tout. Je suis allé faire les courses un jour en ville. Quand je rentre, il pleuvait abondamment. Donc, il pleuvait terriblement. Je me suis donc abrité à la station. Il y a une station là-bas à Tonnerre, à Bepanda. J'étais en train d'aller à Bonamou, ça dit, il pleuvait trop. Je me suis abrité à la station là qui est là-bas à Bepanda, à Tonnerre. Quand je viens, je m'abrite sans seulement un truc sur mes cuisses ici, là, comme ça. Je me dis. Donc, je crois d'abord que c'est un enfant qui habite ça, qui veut s'abriter aussi. Je me baisse comme ça, là, je vois, c'est Senghor. Moi, à l'époque, je ne le connaissais même pas. C'est vrai qu'il se présente, il me dit qu'il s'appelle. Il s'appelle Senghor Dola. Et. Je suis fan de toi. Il dit, ah ouais? Tu es fan de moi, tu me connais? Oui, il me dit, il me connaît sur les réseaux sociaux. Il dit, ah tiens, c'est intéressant. C'est comme ça, en fait, quand je lui donne mon numéro, quand on se change de contact, moi, je n'étais pas intéressée à ses avances. Hein. C'est ça qui m'intéressait. C'est pour ça qu'il prend son numéro, je rentre chez moi, je lui fais un coucou. À l'époque, il n'avait même pas encore WhatsApp. Je lui fais un coucou et tout, on commence à s'écrire. Lui, il ne connaissait pas écrire. C'est comme ça qu'il commence à m'appeler. Lui m'appelait tout le temps, on est devenus très bons amis. Jusqu'à ce que
jusqu'à ce que le gars-là commence à faire le buzz sur Facebook. Quand il a commencé à faire le buzz sur Facebook, il y a son parrain $100 là qu'il a récupéré. C'est comme ça que le gars est devenu célèbre sur les réseaux. Ha! Maman, les cadeaux, il m'offrait les cadeaux tous les jours. Je reste comme ça, 100 000 dans mon compte Orange Money, 200 000 dans mon compte Orange Money. J'ai dit, mais attendez, il est intéressant, mais il n'était pas intéressant parce qu'il m'envoyait de l'argent. Hein. Il n'était pas intéressant parce qu'il me donnait de l'argent. Il était intéressant parce que, déjà, il connaissait, il m'envoyait les fleurs. Donc, c'est la chose que je voyais seulement à la télévision, comment on offre les fleurs à une femme. Donc, il m'envoyait les fleurs chaque fois. Il dit, ha! Vous avez su que le gars, c'est un dingue du Cameroun? J'ai interrogé mes cousines, on disait qu'il y a des gens qui sont bien élevés. Ce n'est pas tout le monde qui ne connaît pas le savoir-vivre. Donc, c'est comme ça maintenant que... Après, maintenant, quand Frandola est arrivé, Frandola a pris son appartement là, pas loin d'ici, à Regina Homes. On a aussi pris l'appartement de Sengo là-bas, où il venait tous les soirs s'amuser, il venait se divertir avec ses amis, avec sa famille. Un soir, maintenant, il dit à Frandola que... Il est amoureux de... Il a sa copine là qui l'a... Il dit qu'il y a une amie là qui l'aime, il est amoureux de son ami. Frandola lui a dit, est-ce que tu peux m'amener dans cette amie là? C'est ça qui m'invite le soir du jour là aussi. Moi, je ne connaissais pas qui m'invitait chez Frandola. Moi, je savais qu'il m'invitait chez lui. Je peux aussi là-bas maintenant, je tombe sur un groupe de personnes. Mon frère, on avait cuisiné pour m'attendre. Le dîner de ça, mec de... C'est comme ça aussi qu'il m'assied maintenant. Il dit à son papa, il dit à Frandola que je te présente ma petite amie, Léa Campbell. Elle est très belle, je l'aime trop. Elle a un corps de ouf. Elle est trop, trop belle. Ha! Mon frère. Attendez, dites-moi. Devant Frandola maintenant, je devais dire quoi? Quand il a dit que j'étais sa petite amie, il y avait trop de personnes, il y avait trop de gens ce jour-là. Donc, on avait organisé un dîner carrément pour moi. C'est comme ça que... Ce soir aussi, j'accepte que je suis sa go, non. Mais je ne dis pas encore sa go, hein. J'accepte aussi maintenant que ça va, je suis sa copine. Maman, comme j'ai accepté que oui, je suis sa go, là. Je fais environ 1h30 là-bas. Au moment de rentrer, on a envoyé la voiture aller me déposer. En fait, Franck a envoyé sa voiture aller me déposer avec Sengo. Sengo vient lui dire, il reste comme le boss. Et moi, il vous dit que je le connaissais pas. Lui, il se comportait tellement comme le boss. Moi, il se m'a dit, ah... Où il vient seulement d'un pays, je ne sais même pas. Peut-être c'est un héritier dans un pays. Vous voyez, non? Il dit sûrement c'est un héritier dans un pays. Moi, je ne sais pas que c'est un Camerounais. C'est pour ça que je rentre aussi maintenant. En fait, je me sentais attirée, non? Je me sentais attirée. Je ne sais pas. C'est bonne manière. Je ne sais pas. Jusque-là, ce n'est pas tout la voiture qui m'intéressait. C'était ses manières. Je rentre dans ce ressort que c'est moi qui commence à l'appeler. Coucou, je suis bien arrivée. Je lui dis, voilà, je suis bien arrivé. Maintenant, il dit qu'il espère qu'on va se voir la prochaine fois. Cependant, le gars me bombardait de vous des questions. Je vous dis une vérité. Ce n'est pas le buzz. Ce n'est pas les bêtises que je suis en train de raconter. Jusque-là, maintenant, il m'a envoyé les fleurs. Il m'a envoyé les vins. Ha! Mon frère. Ha! Oh, oh, oh! Maman, de tous les gars que j'ai rencontrés dans ma vie, personne n'avait jamais été romantique comme Sengo. Il dit bien personne. Le gars est romantique. Mon frère. Mec de. Donc, il m'écrivait des incancans. Il m'appelait. Il ne sait pas écrire. Il m'appelait non. Il me parle. Il a des excitations. Je ne sais pas. C'était excitant en même temps. Mais c'est comme ça qu'un jour encore, il m'invite plutôt à sortir. Il dit qu'il faut qu'on aille au Yapaki. Oh putain. Voilà, ça aussi, je m'habille, je me tuine, je me make-up, j'enfile une perruque. En fait, je m'habille bien, quoi. Son père, Frandola, vient me chercher, nous porte maintenant, on part au Yapaki. Mec 2. Au Yapaki, maintenant, j'ai reconnu des amis qui étaient venus de l'étranger. C'est ça que je m'habille pour saluer mes amis. Sengo commence la bagarre. Sengo commence la bagarre au Yapaki. J'ai dit, mais attends, on est où là? Je suis mon pancote à go. Tu m'amènes quelque part, gars, tu me souilles. Il dit ça, c'est quoi? Non, mais attends un peu. Le gars, seulement commence la bagarre là-bas. Non, personne ne te parle. Je ne veux pas que quelqu'un te parle et tout. Je suis très jaloux. Je ne veux pas. J'ai dit que d'accord, boss. Ça va, non? J'ai compris. Il n'y a pas de problème. J'ai compris. J'étais là. J'étais là-bas sur mon angle. Je guettais seulement mes amis comme ça, là. Les sons comme ça, comme je dois aller coller, zouker, zouker. Je pouvais zouker, c'est un gars. Le gars arrivait que sur mes genoux.
Mais je supportais. Je supportais, écoutez bien, je supportais ça. C'est comme ça qu'après la boîte, ils sont allés me déposer chez moi. Un autre jour encore, en fait, il m'a invité plusieurs fois. Il m'a fait plein de cadeaux. Plein de cadeaux que je peux même pas, je peux même pas vous citer. Si je commence à citer vraiment, ce sera long. Parce qu'il m'a fait trop de cadeaux. Hein? Et la pression de ses amis qui m'écrivaient tout le temps. Et la pression de son papa, Franck Dola. Voilà, maintenant, Franck Dola dit maintenant que, oh, si tu, Sengo est sérieux. Et maintenant, si vous pouvez faire quelque chose de sérieux, moi, je peux être votre parrain, hein. Mon frère, j'ai regardé la liste de tous mes ex. Je suis partie, non. J'ai regardé tous mes ex, non, gars. Mes ex, eux, ils n'étaient plus intéressants. Mes ex ne m'intéressaient plus. Maintenant, Sengo était le gars de l'heure. Honnêtement, c'est comme ça que je suis tombée amoureuse. J'étais très amoureuse. Je ne supportais plus une seule nuit sans le voir. Il dit une seule nuit, je ne supportais plus sans le voir. Donc, il dormait la nuit. Je sentais un truc, je sentais un vide. C'est comme si, donc c'est comme si c'était sa place. Comme parce que ma belle a sa place. C'est comme s'il y a quelque chose qui manquait, quoi. J'ai dit, hey, là, vous pouvez prendre comme la blague comme ça, hein. Attends, on peut faire comme ça, il y a le Joe aussi comme la blague, hein. Il me couche, je n'arrive pas à dormir. J'appelle Sengo, mais tu me manques. Le gars est dans les bruits. Donc le gars était voyou. Et vous savez que les filles comme nous, on aime les voyous. Hein? On n'aime pas les gars. Moi, j'aime pas les gars normal. Oui. Donc quand je l'appelle là maintenant, je sens que le gars est dans les bruits. C'est pour ça aussi que moi aussi, je commence à être jalouse, non? C'est pour ça aussi que moi, je commence à être jalouse. Non, rentre à la maison, je veux pas de ça. C'est quoi ça? Tu es sorti depuis 19h. Voilà 2h du matin, tu es dehors. J'ai commencé aussi à faire les scènes de jalousie, quoi. Le gars me dit, tempo, cool down. Pourquoi tu es pressé, girl? Cool down. C'est quoi, c'est la bagarre? C'est moi l'homme. Je peux sortir à 6h, je rentre à 6h le lendemain. Tu te calmes, ma chérie. Hein? Mais girl, calme-toi. Mais quand le gars disait ça, ça m'excitait seulement. Donc, ça, mon cœur faisait un genre de dingue. Donc, j'avais seulement envie de courir, aller le joindre là-bas où il était. Waouh! C'est comme ça maintenant que le gars a multiplié ses sorties. Il sortait. Après, on a commencé à sortir ensemble. Maman, jusqu'à un soir maintenant, nous sommes sortis. Non, il n'y a pas la voiture. Nous sommes sortis. On est toujours allé au Yapaki Prestige. Après, on est rentré, il pleuvait jusqu'à. On s'est abrité sous le mangue. Il y a un mangue ici à Bonamoussa. On fait les beignets à Rico là-bas. On s'est abrité sous le mangue. Ha! Un peu, j'avais froid, non? Comme c'est un gars aussi court. Ces vêtements sont comme pour le nouveau-né, là. Ces vêtements ne pouvaient pas me suffire. En fait, ça ne pouvait pas me couvrir, quoi. Parce que j'avais très froid ce jour-là. C'est pour ça maintenant que je m'agrippe comme ça sur lui. Donc, je m'agenouille. Pas que je m'accroupis, non. Je m'agrippe sur lui. J'avais très froid. Mais quand il m'a serré dans ses bras, non? Hé, malé. Mec 2. Donc, il m'a serré dans ses bras. J'ai senti quelque chose. J'ai senti un truc, là. Je sais pas. Une alchimie, je sais pas comment expliquer ça, mais mon cœur commençait à battre fort. C'est ça, j'ai mis ma tête sur sa poitrine, son cœur battait aussi fort. Mais purée, c'était comme dans les films. J'avais envie de l'embrasser, mon frère. Je le serrais fort dans mes bras, donc je le serrais jusqu'à ce qu'il pouvait disparaître dans mes bras. Il me dit, mais attends, doucement, non, maman, c'est la force, c'est la guerre. Gars, je l'écoutais, même il pleuvait d'abord, il y avait un froid là et un vent dehors. C'est pour ça que je m'agrippe sur lui comme ça. Merde. Et comme le gars est cool, non? Comme je m'agrippe sur lui là, il respirait que dans mes oreilles. Donc, je sentais donc, sa respiration dans mes oreilles et sur mon cou ici. Purée. Maman, chacun a une particularité ici dehors. Chacun a sa particularité. Non, ça, je vous dis. Le gars là, non. Non, non, non. Il a un truc. Donc, c'est comme ça maintenant que nous sommes tombés amoureux. Nous sommes tombés amoureux sous le mangue. Après, quand la pluie a baissé comme ça, nous sommes rentrés à la maison. Nous sommes rentrés chez moi ce jour-là. Le lendemain, il m'a fait une surprise. Il m'a invité à Regina Homes. Je suis partie à Beauce alentour de 15h. C'est comme ça qu'il m'a demandé en mariage devant ses amis, devant Franck Dola.
devant tout le monde, quoi. Il y avait trop de personnes, il y avait trop de gens ce jour-là. Il m'a demandé en mariage, c'était chou. Mon Dieu, c'était trop chou. Il me dit. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. C'est la vérité. Je suis pas en train de vendre le rêve, mais c'est la vérité. Donc, voilà, c'est comme ça que ce jour, maintenant, il m'a demandé en mariage devant ses amis, devant son parrain. Il a raconté une petite histoire, comment nous on s'est rencontrés. Et je sais pas, jusqu'au jour là, quoi, c'était captivant. Et puis, j'ai dit, pourquoi ne pas essayer? Il m'a demandé en mariage. 2 semaines après, on s'est mariés. 2 semaines après, on se mariait. On filait le parfait amour. Jusqu'à ce que son parrain l'invite à Dubaï. J'ai dit jusqu'à ce que son parrain l'invite à Dubaï. Quand son parrain fait son passeport, maintenant, moi, j'avais déjà un passeport. Ah! Non, l'homme noir, hein, l'homme noir. Donc, vous voyez comment j'ai supporté le Joe là, non? Hein? Tellement de. Les nuits passées dehors, son voyeurisme, son vin qui partait au bout, il venait vomir sur moi, je supportais. Quand on s'est mariés, 2 semaines après notre mariage, quand Fandola l'a invité, quand Fandola a fait son passeport maintenant, Fandola a dit que nous tous, on devait aller à Dubaï. On devait aller à Dubaï, lui et moi, voilà, pour notre lune de miel, quoi. Maintenant, quand le passeport de mon mari est sorti, quand son passeport est sorti, oh, le gars a changé. Quand je parle à Senghor, chérie, comment tu vas? Ah, le gars me répondait moi encore. Maintenant, quand il partait payer les billets d'avion maintenant, est-ce qu'on a payé pour moi les billets d'avion? Ils n'ont pas payé de mon billet d'avion. Ils sont partis à Dubaï sans moi. Ça, c'est d'abord où les problèmes commencent. Ça, c'est d'abord où les problèmes commencent. Où ils partent à Dubaï sans moi. Vous comprenez, non? J'étais jalouse. J'étais jalouse, mais je me ressaisissais. On dit, je me ressaisissais, non? En fait, je m'abstenais, quoi. Je m'abstenais parce que quand il part à Dubaï, 2 jours après, j'aperçois des vidéos de lui sur la toile en train d'embrasser une fille dans sa chambre d'hôtel, en train de tapoter les fesses de la fille dans la piscine. Donc, il y avait un tas de bêtises qu'il faisait là-bas à Dubaï. Je ne supportais plus. Je ne supportais plus. Il a acheté les mèches pendant son séjour là-bas. Il a acheté les mèches. Il dit, voilà, c'est pour ma femme. C'est pour ma femme. Il a acheté les mèches, il a acheté les choses. Mais qu'il est descendu de l'aéroport, il n'a même pas posé ses valises à la maison. Il a sa copine là-bas à Bepanda. Il est parti déposer ses habits à Bepanda. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Plus tard, non. J'en pouvais plus. Je dis bien, je n'en pouvais plus parce que quand il est rentré, il dormait que dehors. L'argent qu'on a farotté à Dubaï, le gars dormait seulement dehors. Il dormait dehors. Il dormait dehors. Les séries qu'on avait commencées, il ne voulait même plus venir tourner la série. Les séries qu'on avait commencées, non, parce qu'on a fait une quinzaine d'épisodes. Mais on voulait faire minimum 32 épisodes ou 40 épisodes avant de commencer à les diffuser. Maintenant, le gars ne voulait plus venir sur le plateau de tournage et tourner. C'est comme ça que l'amour a commencé à baisser. J'ai commencé à le détester. C'est comme ça que je ne me sentais plus attirée, qu'il ne m'attirait plus. Après, maintenant, on a fait la paix. J'ai dit, voilà, je reste tranquille. Je ferme les yeux parce que tous les hommes sont infidèles. Je suis restée tranquille jusqu'à l'autre jour. Monsieur Sabi, il me dit qu'il est en train de sortir. Il rentre à 22h. 22h est venu, le gars n'est pas rentré. 23h, minuit, 1h, 2h05, le gars rentre à 10h le lendemain. Et avant qu'il rentre à 10h le lendemain, on m'avait fait parvenir la vidéo où il était en train d'embrasser la dame Loya Pakim. Est-ce que c'est normal? Il embrasse cette fille jusqu'à envoyer sa langue dans sa bouche. Il jusqu'à envoyer sa langue pour tourner dans sa bouche. Vous avez vu la vidéo là? Peut-être vous avez seulement vu la photo. Le gars embrasse la fille. Il a envoyé sa langue dans la gorge de la fille. Dans sa gorge. J'ai regardé la vidéo là dans la nuit. J'ai pas pu dormir. J'ai pleuré.
Je pleurais quoi? Je pleurais mes ex. Je dis, qu'est-ce que mes ex vont dire? Comment est-ce qu'ils vont prendre ça? Et j'ai appelé son parent, j'ai dit que le divorce est fini. Il dit, là, le divorce, que le mariage est fini. J'ai dit, j'en peux plus. Moi, je peux plus le supporter. Je ne peux pas sortir avec des hommes qui sont autant vulgaires. Bêta, je prends un ex, je retourne avec un ex. J'ai dit, je ne peux plus. C'était bon, basta. À l'instant où je vous parle, je ne sais pas où il est. Hein. Moi, je suis rentrée chez moi. Il est resté chez lui. Donc, je ne le gère plus. Donc, je ne peux plus me taguer sur les pages. Je peux dire, Madame Senghor, je ne suis plus sa femme. Je ne suis plus sa femme parce que le divorce serait prononcé d'ici peu. Il me faut le souffle. Parce que le divorce serait prononcé d'ici peu. Je ne suis plus sa femme. Ne m'appelez plus Madame Senghor de là. Je refuse. Je ne veux plus de ça. Oui. Voilà. Donc, voilà quoi. Des choses de la toile, si. Les bureaux sur la toile. Les bureaux. On va respirer. On va vivre. On va vivre à cause des bureaux que les filles s'y ont ouverts. Je peux dormir. Depuis aussi que Koutelina a ouvert son machin là. C'est quoi? MC Production. On respire encore. Attends, ça c'est quoi? On va encore vivre. Eh, Koutelina Fontana. Donc, comme tu as ouvert les bureaux, là, nous, on ne doit plus respirer. Tu te filmes jusqu'à tu t'agenouilles pour te filmer sur la moquette. Même sur les escaliers, partout. On va encore vivre. Hein? Voilà aussi Amy Dany Basson. Africa Food, vous la connaissez, non? Dans son restaurant, elle a aussi ouvert sa part de bureau. Les TikToks, les Snapchats, les statues, je dors, je respire. Ma connexion pas encore fait 2 minutes. Hein? Marc Epom aussi qui est parti à Brazzaville. On va encore vivre. On va encore vivre avec vous. Vous voulez que j'ouvre ma bouche sur vous? Moi aussi, Dangote Noël qui est parti à Dubaï. La voix, comme si elle a bu le fofo. Elle aussi, elle a Dubaï. Va à la boutique. Qu'aux 3 arbres. On respire encore. Un client vient. Elle filme, elle poste. 2 clients viennent. Tu filmes, tu postes. C'est quoi, hein? C'est quoi? Ça, c'est quoi? Hein? Un client vient, tu filmes. 2 clients viennent, tu filmes. On a vu que tu as la boutique à 3 arbres, non? À Nubel, non? Dangote. Laisse-nous vivre. Hmm? On n'a pas mis nos méga sur Facebook pour voir comment tu filmes tes clients en longueur de journée. Ça, c'est quoi, hein? Non, mais on est où, là? Écoute-lui de son côté. Amy Dany Basson de son côté. Toi de ton côté. Marc Bombe de son côté. Farida. Rambo. Hey. Rambo, tu vas me dire ce qui t'arrive? Hein? Pourquoi je soulève le dossier de Rambo aussi là? Je vois même pas les cœurs qui sont en train de défiler là. Depuis j'ai dit, je dois un peu fermer les yeux sur le dossier là, mais le diable ne fait que si je ne parle pas du sang par le son de Rambo aussi là, qu'on ne respire plus sur la toile. Non. Ça, c'est quoi? Hein? Rambo, je sais que tu me regardes en faux profil. Je sais. Je sais que tu es en train de me regarder en faux profil. Tu vas me dire ce qui t'arrive. Mais tu es bête ou quoi? Hein? Tu es bête? Ou tu fais exprès? Ça, c'est quoi comme ça que je vois depuis? Parce que je ne parle pas. Donc, quand je ne parle pas, c'est parce que j'ai oublié. Hein? Donc,
comme ça, maintenant, tu pars dans les toilettes de l'hôtel, tu enlèves ton cycliste, tu enlèves ton caleçon, tu enlèves ton soutien, tu prends la serviette que tu as lavée au sol avec, tu mets ici entre tes seins et tes genoux, pour nous montrer ton corps, pour nous montrer tes fesses. Tu sors avec qui maintenant? Tu sors avec qui maintenant? La tête de ton gars tient dedans. Tu es sûr que la tête de ton nouveau gars s'y tient dedans? Tu es sûr qu'il est normal? Tu es sûr que présentement tu ne sors pas avec un fou? Hein? Tu es sûr que présentement tu ne sors pas avec un fou, Rambo? Ça c'est quoi? Donc ton gars t'amène en week-end pendant qu'il est en train de nager à la plage ou pendant qu'il est en train de plonger dans la piscine. Ton travail dans la chambre, c'est parti. Enlève le caleçon sur ton gros corps. Enlève le soutien sur tes gros seins. Prends la serviette que les filles de chambre l'ont lavé le sol avec. Mets-le sur tes tibias pour te fumer et aller poster sur Snap. Rambo. Rambo, il t'appelle, non? Tu n'as pas ta famille? Ta mère a vu ça? Tes frères ont vu ça? Hein? Donc, tu crois que c'est en te déshabillant que les bons gars vont venir? Tu crois que c'est en te déshabillant comme ça qu'on va te suivre? Nous autres, on te suit déjà. Ouais, ça qui est pas, on te suit déjà, non? Tu as vraiment besoin de te déshabiller? Ouais, ça que nous, on te suit, non? Hop, et gars! Donc, tu ne vois pas comment quand Marc Pomme faisait encore le buzz. Quand vous laissez filmer le gars qu'on devait voir ses parties intimes. Marc Pomme, même en faisant son. Elle a un petit cul. Marc Pomme, elle fait un petit cul comme ça. Quand elle portait ses bikinis là, on voyait comment c'était comme un petit rectangle comme ça. T'as pas aussi tes fesses sont là-bas. Mon frère, tes fesses sont là-bas comme, je sais pas, comme la boule de pistache. C'est toi qui prends ça pour mettre sur Facebook. Tu ne connais pas que quand on veut faire nos genre de photos là comme ça là, on fait un filtre. Il fallait prendre le téléphone de Mimi, non? Tu fais le genre que ça va à placer ton ventre là. Ça va réduire tes fesses, je sais pas. Non, mais ça, tu as sué nos ex. Tu as sué nos ex. Tu ne peux pas prendre les fesses plissées. Tu ne peux pas prendre les fesses plissées. Tu mets sur Facebook. Ça ne t'honore pas et ça ne nous honore pas. Hein? Nous qui te suivons, tu ne peux pas nous faire ça. Nous et tes ex, tu ne peux pas nous faire les choses. Ça, c'est les coups bas. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu qu'on devait se déshabiller et mettre sur Facebook. Non, on n'est pas prévu ça. On n'est pas prévu qu'on devait se déshabiller mais que sur Facebook. Jamais. Comment ça, c'est quoi? Hein? Non, mais si c'est moi ton gars, je te bats. Tu deviens son ex. Si c'est pas ton gars, là, je te bats et puis je deviens son ex. Tu deviens son ex. Oui, même une fois. Quand tu n'as même plus d'ex. Ça, c'est quoi? Hein? Ça, c'est quoi? Tu as vu donner tes fesses que tu as mis sur Facebook? Tu as vu donner tes fesses, là? Oh, yeah! Au cas où maman me trompe, au cas où on va nous Facebook, au cas où on va nous dans le jour. Ah! Donc, on est dans la suite de ce monde. On est dans la suite de ce monde. On est dans la suite de ce monde. On aller mettre sur Facebook. Il y a un petit c'est quel comportement ça? Hein? Ah, vous avez un cam photo pour nous Facebook. On dit que Facebook, on est sur ta plateforme, me rend chien. Mais ça t'a. Mais jaloux, hein? Pour nous voir jouer, ok? Oh, pour quand même, tu m'as pour gagner ça, mon Facebook, tu vois ma mère tous à Tolonda. Qu'est-ce qu'on va te demander à mariage en voyant ça? Ah, ouais, tous à Tolonda, allô? Y'a quoi, Aku? Aux gens disent qu'on est sali, bezexpo, pfou, ils sont tous morts, pfou. Ça, c'est quoi? Hein? Ça, c'est quoi? Non, la partie où je n'aime pas bien m'exprimer en français, je m'exprime en patois. Oh, quand même, maman, tu m'as gagné ça, Facebook. Mais quand je suis au cas, je m'attends mes gros suivants là. Hein? Mes ex, pour couper. T'as fait mon cas, foutre ma face, pour qu'on couper. Mais tu vois, c'est me combat. Pour couper, ça c'est quoi? Mon frère! Moi, quand je suis au cas, je Facebook. Et moi, je suis au Geneviève. Geneviève en gros là, c'est quoi comme ça? Hein? Il dit que. Et ouais, mais tu es Mathieu Sauvage, tu vois. C'était quoi comme ça? Non, mais tu nous as souillé, tu as souillé tous tes ex. Je ne suis plus suicide en ce moment. Un vrai gars peut le draguer. Même un des ex ne peut plus réveiller. D'ailleurs, il est vu, mais ils sont tous morts.
Depuis ton apparition, là, ils sont tous d'ailleurs. Ça, c'est quoi? Hein? Tu as déjà vu Marc Pomme poster déjà de photos là? Tu as déjà vu Fontana poster déjà de photos là? Tu as déjà vu Mimi poster déjà de photos là? Tu as déjà vu moi Jennifer la folle furieuse, moi Jennifer, c'est quand c'est qu'elle est folle, c'est qui Pamela, moi-même dans mon Pamela, je ne peux pas faire le genre de photo là. Hein? Mon frère! Puis bon, Ranzor, il m'a souillé pour mes conseils, puis maîtriser, oh, vous ne maîtrisez rien, puis de maîtriser tout le monde. Il y a chu, non, ça c'est la honte, il y a chu. Ça, c'est la honte. Non, non, où je ne peux pas parler en français, je ne peux pas m'exprimer bien. Je parle en patois. Je ne veux pas, moi, après, on ne peut pas poster ces pages que je ne sais pas causer en français. À quand même, je me suis comme mes ex, non? Quand tu me fais de ma maman, tu me dis sur Facebook. Ish! Quoi l'autre? Non, 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 tu me dis à souiller. Je n'ai pas chip pour un quoi, pas te. On get souillé, ou à petit. Peut pas en guette, tu as tout souillé. Je suis un monsieur de Bolling, 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 je suis un mon Dieu, j'ai jamais vu ça. Ndaye. Donc à tu me chute ne machine en quoi, tu nous as souillé. Je ne peux plus me vanter avec toi. Hein? Je ne peux plus me vanter avec toi. OK, tu me chute me choupoutsem. Ya. Ouh. Hmm. Koho, on est cita. Oh, on vous parle ce koho, on maîtrise. De pas, non, je maîtrise. Pourtant, tu ne maîtrisais rien. Il fallait me demander que Johnny, je peux faire comment cette semaine pour qu'on parle de moi. Il devait te dire, hein? Il devait te dire que fais comme ça, fais comme ça. Tu n'as pas besoin de te mettre à poil. Avec quel genre de serviette, mais d'abord, la serviette, c'est comme la serviette qu'on essuie les pieds, l'enquête apporte avec. Non, mais on est où là? C'est comme si on t'a drogué pour que tu mettes la photo là sur Snap. On t'a drogué. Hein? Avec tes fesses appuyées derrière, appuyées comme ça, c'était quoi comme ça? Hein? De 5 ans, quand végétue, ça c'est quoi? Hein? Les végétues comme le tonnerre. Vous avez vu comment il veut pleuvoir? Le tonnerre là qui veut souvent que. Mon frère, ça fait que dans le ciel, ça fait que comme les éclairs. C'était quel genre de végétue comme ça? Non, mais on est où là? Hein? Je suis en quoi? Jusqu'à tu tapes le poster comme ça là. C'est un accord, hein, maman. Ya, tu sais, mes bureaux, comment tu te trouves une star de carnivore, non? On vous appelle que les stars des carnivores. Ou c'est les carnivores, ou c'est des carnivores. Mais tu trouves une star, bébé, pour te chercher mes rigoles. Les stars qui, les stars des rigoles, les stars des sous-cachés. Tu vois? Tu as ton charisme. Hein, Farida Galilia. Ou c'est Farida Galilia, ou c'est Galilia. Ya! Yeah. Fais plus jamais ça. Non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. C'est pas depuis que j'avais perdu, mais j'avais perdu mon téléphone. Le jabapsi, il y a froid. Il devait faire le jabapsi quand c'était encore chaud, chaud. Parce que là, 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 l'inspiration, je n'ai pas d'inspiration pour définir. Pendant ce jour, quand j'ai vu les photos là, l'inspiration, donc, je sentais l'inspiration. Donc, mon frère, même sur mes orteils, sur les bouts de mes doigts, il t'a attrapé le jour, la Farida. Tu l'as regretté. Que gnor, gnor, gnor. Tu as posté maintenant. On a vu ton sang, on a vu tes gros seins, tes fesses appuyées, il y avait tes végétues. Maintenant, et puis quoi? Tu n'as pas eu 10 000 abonnés. Donc, tu as fait ça un jour. Mais tu battais tourner le porno. Mais tu battais tourner le porno. Que de gaspiller ton corps sur Facebook. Quoi. Tu battais tourner le porno, je ne te mens pas.
Hein? Ça, c'est quoi? Moi, je vais gaspiller mon corps comme ça. Tu pars, tu prends les gros fesses là, comme ça, là. Les grosses, tu montres aux gens, tu montres à tout Facebook comme ça, genre. Mais t'as-tu pas de prostituée? Ça, c'est quoi? Ben, ça, c'est un pas différent de la prostitution. Tu comprends, non? Tu as tué ton charisme. Devant Jennifer. Et devant tous tes ex qui te suivent aussi. Et tes ex-copines. Et tes futurs gars. Tes futurs ex. Tu as détruit ton charisme. Tu as exterminé ton charisme. Aujourd'hui, non. Au quatrième charisme, le Congo, tu as jeté ça au champ. Mon frère. Moi, suis, moi, suis, moi, suis, moi, suis, c'est quoi ça? Hein? Moi, suis, moi, suis, quoi? Un carton me tourne sur Facebook ou assure tu prends aux gens mais ni juger mon frère regarde comment je me suis comporté regarde comment tu choix comportement t'as mis un iPhone t'as mis un Pro vois moi je me suis comporté fais le soco avec élégance hein fais le soco le genre de soco qui donne envie de dire ma petite tu es où viens tu vois, j'ai fait le vrai soco. Voilà, le iPhone Pro 12, 512 gigas, m'a offert. C'est 1 300 000. On m'a offert parce que je me suis retenue. Je me suis retenue, je me suis fait respecter. Je partais au Yapaki, je faisais le soco. Et lancé mes dire là-bas, au Yapaki, non. Je faisais le soco un peu, donc je me maquille, ce qui c'est que je suis bien belle là. Je mets les lentilles, je cligne les seins jusqu'à ce que je te fais un métier ici là. Oui! Et même à soi, il n'y a pas qui. Je lance le diète. Que mes socos, vous êtes où? Il lance le soco. Hein? Il dit, venez, il n'y a pas qui boit. Venez, il n'y a pas qui prestige. Venez, il n'y a pas qui. Ici, c'est comme sur le blanc. Et c'est vrai, vous avez il n'y a pas qui prestige, non? Oui, c'est comme si on était. Je ne sais même pas. Le pays le plus beau du monde, c'est bon où? Donc, c'est comme si on était au stade. Quelque part dans les. Je ne sais pas. C'est comme si on était au stade là-bas. Quand tu peux, il n'y a pas qui là. La clim d'abord qui est là-bas dedans. La qualité du service. Dans les repas qu'on fait là-bas, eh Dieu. Les gars sont forts. Ils sont forts. Non, j'ai moi fait mon japap. J'ai fait le japap. Fait le japap. Eh, j'ai invité les gens à venir consommer là-bas, à venir boire, à venir manger. Bon frère, les gens sont venus. Vous êtes braves. Vous qui me suivez là, vous êtes trop braves. Donc, merci. Merci pour tout. C'est à cause de vous comme ça qu'on m'a acheté le 12 Pro Max là. Chaque fois que je disais, venez au Yapaki, venez, comme je faisais le live, vous venez aussi là-bas me saluer, vous venez prendre les gambas, vous mangez. Mon boss, le boss du Yapaki a vu, il a dit, mais attends, ce n'est pas Jennifer, ce n'est pas la fille là qui fait un peu comme une folle sur Facebook comme ça là. Je ne suis pas en train de vous mentir. Hein. Donc j'ai invité les gens là-bas chaque fois à manger, je faisais mes directs là-bas où je taguais les gens, où j'invitais les personnes, jusqu'à le boss a trouvé c'est intéressant. C'est comme ça maintenant qu'il m'a fait la surprise hier. Il m'a offert ce téléphone. Il m'a dit, voilà, c'est ton cadeau. Vu comment tu communiques sur ma structure, qui est aussi ta structure. En fait, elle appartient. C'est une structure qui appartient à tous ceux qui viennent là-bas. Donc, c'est une façon pour lui de me dire merci. J'ai pris ça, j'étais très heureuse. Regarde, non, Farida, pourtant, on l'a payé un coup d'un bonbon. Tu te comportes aussi comme ça. Ce que je ne sais pas. Ce que tu ne parlais à l'hôtel avec les serviettes là, comme si on essuyait le sol avec. Donc, on fait le socor avec intelligence. On fait le socor dans la naïveté. Vous voyez, non? Donc, c'est gentil de me suivre. Continuez de me suivre. Il y a trop de belles choses qui arrivent. Trop de belles choses. Ce que j'aime pas trop parler. Je suis celle-là qui ne bavarde pas trop. J'aime. Donc, j'aime atterrir sur le terrain une fois. J'aime pas bavarder pour faire genre, voilà ce que je suis en train de faire. Voilà. On dit, si tout le monde sait où tu vas, tu n'arriveras jamais à destination. Si tout le monde sait où tu vas, tu n'arriveras jamais à destination. Et encore, nous sommes en Afrique où on veut voir personne évoluer. Quand tu commences à entreprendre, on veut seulement te tuer, on t'empoisonne, tu meurs. Quand tu commences à entreprendre, en t'empoisonnant, tu meurs, non? Ou bien les filles? Mais quand tu es beaucoup, non? Donc, bêta, la fermer. Voilà. Farida! Mon amour! On ne met pas les organes. Avec tout ce que tu as dit, elle n'est pas.
Et mes organes, tu crois, il a giflé pas. Un peu pas. Sinon, Farid a su une belle fille avec des rondeurs. Les rondeurs impeccables. Mais elle n'aime pas parfois. Il faut qu'on la mette sur les rails. Quand quelqu'un n'aime sur Facebook, je te mets sur les rails. Et même si ma vie n'est pas parfaite, moi, je suis là seulement pour celle qui dégame. Tu dégames et te prends et te laves. En tout. Et après, on se prend. Je sais pas. Que même la façon de parler a changé. Ouais, les effets du iPhone 12. Ah ouais? Non, mais putain, je savais pas. Moi, Johnny, fais pas changer ma façon de parler. Moi, Johnny, c'est ma signature. Non, je veux pas, j'ai pas de façon de parler. C'est que, à la base, je suis une fille très instruite. Donc, à la base, je suis une fille très instruite, très bien élevée. Mais qui a grandi au village, Ndaoula. Donc, j'ai grandi au village. Vous voyez un peu, non? Donc, à chaque fois, il y a tout le village là, qui revient. Moi, quand je me comporter, moi, quand je m'exprimer. Si je commence à m'exprimer ici, là, après, le village va toujours encore faire vop sur ça. Donc, bête, non? C'est pas moi comme au village. J'aime bien sa façon de parler. On dirait sa langue est collée. Ma langue collée qui était petite d'air. Mais ça, c'est quoi? Et tu es très jolie, chérie. Comment tu vas? Je vais bien, Anthony. Je vais bien. J'ai dit, ça faisait des lustres. Ça faisait longtemps, on s'était pas connecté. Je ne m'étais pas connecté. Et quand j'ai posté tout à l'heure, je me suis rendu compte aussi que les réactions avaient baissé. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Je dois lancer une directe, hein, pour parler avec mes socoyeuses. Vous faites ma force. Il y a plein, plein. Donc, il y a plein de choses qui arrivent que c'est à cause de vous. Hein. Il y a les ouais jusqu'à en route qui arrivent à cause de vous. Vos partages, vos commentaires. Vous êtes braves. Merci. Merci, mes amours. C'est parce que vous êtes très nombreux. C'est que je peux faire des cadeaux chacun. On s'est dit, prends ta part le cadeau. Prends pour toi, prends pour toi, prends pour toi. Mais un jour, dans la vie, on copie le bon exemple. Un jour, je veux faire comme Dangote, comme Noël. Un jour, je veux faire comme Noël que moi. Voix d'Odonton, non. Un jour, je veux faire un truc comme ça. Je veux organiser. Je veux inviter tous ceux qui me suivent. Ceux qui vont venir, vont venir. On va faire la fête. One day, mais attendez d'abord. Si tu changes, nous allons fuir. Lily, change comment? Nelly, c'est quoi, bébé? Pourquoi tu caches ta main gauche? Non, je ne cache pas ma main gauche. Je cache rien. J'ai arrêté le téléphone avec la main ici, là. Donc, j'ai arrêté le téléphone avec cette main. Donc, c'est pourquoi je m'exprime tout le temps. Bon, comme je suis une fille agitée, la main, c'est qui bavarde. 50 dollars. Va te répondre. Qui me répond alors? Moi, je l'aime plus. Qui parte, pardon. Il y a un ex là qui est en train de vouloir un peu ancrer dans mon cerveau. Tu as une soeur célibataire ou toi, tu es célibataire, bébé? Bert, Anthony, laisse-moi, pardon. Je suis célibataire. Maman, avec les gens de Facebook, c'est là. Tu m'as attrapé le mal de cœur. Je suis célibataire, c'est après. Voici ma soeur qui dit qu'elle est célibataire. Elle ne connaît pas les gens de Facebook. Ils vont te déshabiller qu'au téléphone. La relation va finir qu'au téléphone. Il n'y a pas de ça ici. Pourquoi tes dents sont jaunes? C'est les remèdes que je suis en train de boire. Je suis mariée. Tu comprends, hein? Marcel, je suis en train de boire les remèdes là. Je mâche, donc je dois plutôt les mâcher. C'est pour le mal d'estomac. Donc je dois les mâcher maintenant. Ça me fait, ça me jaune les dents. Ça va passer, ça va finir. Dès que le traitement finit, ça va finir aussi. Léa Comédienne, s'il te plaît, je veux seulement ta mèche là. Je vous ai dit ici sur Facebook, on ne demande pas les vêtements. On ne demande pas la perruque. Je vous ai dit ça ici sur Facebook. Regarde Sengo, il vient dire mon amour, vous l'avez vu. Oh, le sorcier. Sengo, écoute-moi bien. Sengo, je vais te parler, je ne suis plus ta femme. Je ne suis plus ta femme. Je ne t'aime plus. Fiche-moi la paix. Tu m'as ridiculisé au Yapaki. Au Yapaki où tu sais que tout le monde me respecte. Tu allais me souiller là-bas. Tu prends une fille, tu l'embrasses n'importe comment. Sur quoi tu envoies ta langue dans sa langue. J'ai vu la vidéo. Je t'ai dit, comme je t'ai dit, c'est fini. Je ne rentrerai plus chez toi. Là, je suis dans mon appartement. Je ne vais plus jamais rentrer chez toi. Tu vas seulement prendre la fille là et épouser. Je ne suis plus là. Je ne suis plus sur le mariage. Pas un peu, tu sors, tu embrasses une fille. Hein? Tu postes.
que tu es en train de chercher une nouvelle cible. Donc, c'est un truc que tu fais sciemment. Hein? Je peux encore te parler pour dire non, tu avais saoulé. Mais hier encore, tu pars, tu postes. Tu dis que je suis en train de chercher une nouvelle cible. Merci pour tout. Merci pour tout. C'était quel alcool? C'était quel genre d'alcool? Tu racontes quoi à qui? C'était quel alcool? Que c'était l'alcool? Va au champ. C'est fini, je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Laisse-moi tranquille. Fais ta vie et moi je fais ma vie. Je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Mais c'était une fan. C'était une fan. Hein. C'était une fan. Je ne suis plus là. Tu as remarqué mon appartement, non? Je ne rentre plus. Reste dans ton creux là, dans ton trou à ras là seul. Je ne viendrai plus là-bas. C'est fini entre nous. Je ne t'aime plus. Voilà. Et tes cadeaux là, j'ai abandonné ça dans ton appartement. J'ai rien pris quand je rentrais chez moi. Donc j'ai tout laissé là-bas. Voilà. Et c'était une fan. C'était une fan. C'est quoi? Bébé, c'est pas moi qui a posté. C'est un petit du quartier là qui nous a pris. Qui a pris mon téléphone en charge? Senghor, il dit que non, pas. Je ne suis plus là. Tes yeux sont verts. Je ne suis plus là. Je ne veux plus rien entendre. Je ne veux plus rien comprendre. Va chercher tes petites filles. J'étais là, non. Je cuisinais. Tu mangeais avant midi. Je lavais tes vêtements qui étaient comme pour les enfants, là. Je repassais. Mais je marchais sur le soleil comme une folle. Pour aller, je veux manger à Madame Larcé. Je veux manger à Madame Larcé. Me voilà à Bepanda. Me voilà à Bepanda chaque jour. Bepanda marché, Bepanda va à double balle. Tous les jours. Et tu exigeais où je devais faire le marché. Il devait faire le marché à double balle. Dans la boue là-bas. J'ai fait ça par amour pour toi. J'ai fait ça par amour pour toi. Je ne veux plus, fiche-moi le camp. Je vais partir avec toi à Dubaï. Partir avec qui? Quand tu devais partir avec Franck de là, tu m'avais laissé où? Pas seul. Je ne te veux plus. Je ne veux plus. Ouah, Senghor, laisse-moi bon sort dans mon direct. Je ne veux plus. C'est fini. Mais regarde, non. C'est toi qui allais parler à Senghor. Je ne veux plus. Tu vois ce qu'il vient dans mon direct. Il est en train d'écrire que oh, bébé, je ne veux plus. Je vais t'amener à Dubaï. Moi, je ne veux plus. Je ne veux plus. Laisse-moi tranquille. Va à Dubaï. Moi-même, je vais aller à Dubaï d'ici peu. Tu pars. C'est moi, moi, je suis allé à Dubaï avant toi. Tu dois aller à Dubaï. Tu te souviens d'abord de ta vidéo que tu allais à Dubaï faire là, non? Hein? Un peu, je te pardonne. J'ai dit non. Voilà. Les hommes sont pareils. Les hommes sont pareils. Tu es allé à Dubaï. Embrasse la fille de la chambre jusqu'à taper ses fesses, non? Hein? Tu n'es pas embrassé la fille de Dubaï jusqu'à taper ses fesses comme ça, là. J'ai vu la vidéo, là, non? Tu as sucé la bouche de la fille là, ici, aux Twins. Parce que mon ami dit que la vidéo est belle. Oui! Voilà ça partout dans le monde entier. Tu es parti où c'est au Twins, ou c'est le Twins, ou c'est quoi, oh? Sucé encore le bouche de la fille là. Je t'ai pardonné, non? Hein? Il ne t'a pas pardonné. Tu es rentré me flatter avec les mèches. Dis que non, tu ne pourras plus jamais recommencer. Tu vois qu'il y a un gars, il y a pas qui là-bas chez Ndangote. Tu as pas chez Ndangote là-bas, embrassé encore une autre fille, non? Moi, les gars, je vais tout pardonner. Donc, parce que même l'alliance, ça, il n'y a même plus. Où l'alliance? J'ai enlevé. Il n'y a même plus l'alliance là. C'est fini. Si tu me bats, les femmes vont m'arracher. Hein? Regarde ce qu'il écrit ici. Si tu me bats, les femmes vont me arracher. Oui, parle ton français, même pas. Pas être arrache. Elles t'ont pas arraché depuis que les femmes vont me arracher. Pas être arrache. Pas être arrache alors. Que me arrache. Pas être arrache. Quoi me faire? Tu es faux aux fesses, non? Tu es faux aux fesses, non? Pas. Elle ne veut plus. Elle veut t'amener à Dubaï. Avec sa façon d'avoir écrit Dubaï, là. Est-ce que tu n'écris plus Dubaï comme ça, non? J'ai pris le bout de papier à la maison te montrer combien de fois qu'on a écrit Dubaï. Tu viens tout me suer sur Facebook. C'est quand il est de Dubaï que tu écris d'abord comme ça là. Hein? Il te montre comment on écrit Dubaï combien de fois à la maison. Donc tu es devenu. Tu as 12 ans. Quand on va te montrer comment on écrit un mot pendant un an. Qu'elle est amenée à Dubaï. Amène-moi aux États-Unis. Gnore, gnore, gnore. N'importe quoi. Bébé, j'ai vu la tournée. Bébé, j'ai la tournée à nu. À New York et aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, je pars avec toi. Je vais te donner une voiture. Parce que l'autre, ma voiture, c'est toi qui as acheté, non? Ça, c'est même qui, ça, même sur mon direct? Pas, je ne veux plus de toi. Pas, laisse-moi tranquille. Va embrasser tes filles, là. Je ne veux plus de toi. Regarde-moi. Trop belle. Pas. Comme on va te arracher, là. On va aussi me arracher.
Gnor, gnor. On va aussi me arracher. Tu comprends? Donc, on va te arracher seul. Moi aussi, on va me arracher. Pas avec pardon. Raconte des conneries même. Penser que. Non. On a dit que le remède de l'homme. On a dit que le remède de la femme, c'est la femme. Non. Le remède de l'homme, c'est aussi l'homme. Va voir tes filles là qui veulent te arracher. Moi aussi, il y a les gars aussi qui vont me arracher. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, je suis en train de me regarder. Regarde comment j'ai déjà pas embrassé la fille là. Et ce qui me blesse, c'est que toutes les filles là que tu embrasses, elles ne sont même pas belles. Elles ne sont même pas belles. Tu pars, tu attends qu'elles soient, elles ont saoulé. Tu envoies ta langue dans leur bouche. Idiot. Pour attraper l'hépatite, c'est pour venir me donner à la maison. Tu vas attraper l'hépatite pour venir me donner, non? Hein? Quand tu rentres le matin, je respire. Seigneur! Il dit, bah, regarde ton bouche meilleure. J'aime quand tu me embrassais. Il veut tuer le gars, c'est comment pas? Il veut le tuer, Marc. Pardon, disait Aléa qu'elle ne me laisse pas. Fous le camp, je vais te laisser. C'est fini. C'est fini. Je ne suis plus là. Pas. Ton français à deux balles là. Je t'ai appris. Tout le temps qu'on était mariés, je t'ai appris à écrire combien de fois. Combien de fois je dormais. Voilà ton Dubaï là que tu as encore écrit cela, non? Il était qu'on dit que mielleuse. Tu n'as pas encore écrit ou c'est mielleuse ou c'est quoi que tu allais écrire là-bas comme ça, oh. Je ne suis plus là, n'écris plus, je vais te bloquer, ne m'écris plus, pardon. N'écris plus sur ma page. Je vais te bloquer. Avec ton français, là, on va y acheter les lunettes comme ça à cause de toi. C'est à cause de toi qu'il a acheté les lunettes là. Ton français que tu écris, je ne lis pas, me tag partout, je n'arrive pas à lire ce que tu écris là. C'est à cause de toi que j'ai acheté les verres là. Voilà, j'ai pleuré. J'ai pleuré ici là chez moi, pleuré fatigué. À cause des filles que tu as embrassées là. Jusqu'à le mal d'estomac m'a arrêté. Bon, voilà qu'il y a bu les remèdes, que mes dents sont jaunes. Je n'ai même plus souri sur Facebook. Dégage. J'ai perdu le cahier là. Regarde l'autre. Hein. Donc, tous les cahiers qui passent dans d'acheter, tu perds toujours tout. Tu perds tout, mais jamais ton téléphone. Tu ne peux pas perdre ton téléphone parce que c'est là-bas qu'il y a le numéro de tes copines. Pourquoi tu ne perds pas aussi ton téléphone? J'ai dit ouvertement que c'est fini. Je ne suis plus la même. Ton alliance, là, j'ai retiré. J'ai retiré. Je ne veux plus de toi. Va faire ta vie et moi, je vais faire la mienne. Voilà. D'abord, depuis qu'on s'est marié, j'ai même profité, quoi. À part tes maux de tête, là. Hein? À part tes maux de tête, là. T'es purée, là. J'ai laissé tout ça chez toi. Les maux de tête. Tu étais seulement les problèmes dans ma vie. Les maux de tête, les problèmes, la maladie, les maux de tête. Quand les voisins venaient me saluer, que c'est comment? Il disait que, pardon, mes mots de tête là sont sortis. Donc, il t'appelait les mots de tête. Laisse-moi tranquille, je suis fatiguée. Mais il fallait juste lui donner un dictionnaire. Non. Il connaît d'abord lui. C'est quoi, il a souffert d'abord pour qu'il commence à écrire comme ça. La fille là, c'est un faux dossier. C'est toi que je aime. Pardonne-moi. Il sait même que son français s'en m'énerve toujours. Que de ça, tu m'appelles au téléphone pour me dire ce que tu as dit. Que d'écrire les trucs qui n'arrivent pas. Mais tu m'appelles ou tu me fais le voice. C'est quoi ça? N'importe quoi. Pardon. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je ne veux plus. Tu vas laver maintenant tes vêtements seuls. Tes vêtements, tu vas les laver seuls. Avec tes coucou-doigts là. Tu vas devoir laver tes vêtements seuls à partir de maintenant. Tu vas les repasser seul. Tu vas cuisiner des repas seul. Parce qu'aucune fille ne va jamais venir chez toi là-bas pour te faire manger, laver tes vêtements et faire tes courses. Donc, tu vas bien souffrir. Tu vas comprendre maintenant ce que je représentais pour toi dans ta vie. Il dit quoi? Vous qui disiez que je aime seulement les fesses pour garder mon mariage mouf.
C'est mon DS. Avant, j'étais ta DS, non, mais c'est fini, je ne veux plus. Depuis que j'ai quitté, vois comment je suis belle. Les boutons sont finis sur ma face. Tu me faisais que les problèmes. Ma vie était comme. Ma vie était un tourment. Les boutons étaient sur ma face, versant, on disait que c'est les boutons d'amour. Je souffrais chez toi. Depuis que je suis arrivée, voilà. Tu as encore un bouton sur ma face. Trois ventes te soutiennent dans ta décision, Léa. Trois ventes, en fait, c'est mon quartier à Bafoussam où j'ai grandi. D'accord, Durel. Tout le monde est d'accord que je quitte Senghor. Tout le monde est d'accord. Ma pardon, dans le socor, c'est ça qui me retient sur ton direct. Tu viens d'arriver, Nadia. Béo, fais-moi le bisou en direct, s'il te plaît. Attends, il demande. Attends, peut-être le gars, s'il croit qu'on est en train de blaguer. Qui te donne le. Qui te fait le bisou en direct? Tu es fou. Et va que tu bois le haki, moi, je te fais le bisou en direct. Attends, mais c'est même pas pour qui tu te prends, hein. Moi, je te fais le bisou en direct. Donc, on peut dire ce que je suis en train de raconter depuis là, c'est n'importe quoi. Donc, c'est pas ce que je suis en train de raconter. Mais là, c'est le bisou que tu fais en direct. Tu es Brad Pitt, non? Et moi, quand tu me confonds à tes pépettes là, hein. Que fais-moi un bisou en direct. Toi qui? N'importe quoi. Senghor, disparaît de mon direct, s'il te plaît. Disparaît maintenant. Je n'ai plus envie de te revoir. Et je ne veux plus jamais te revoir. Je ne veux plus jamais te revoir de toute ma vie. Donc maintenant, déguépis de mon direct. Déguépis de mon direct maintenant, avant que je ne... Donc, si tu ne parles pas là maintenant, je veux commettre un métier. Je ne veux plus te voir. N'écris plus cela, pas. Dis quoi? B, ton point, ton poitrine... Quand tu embrassais comme ton bébé. J'ai 14 ans. Regarde mon yeux, mon bouche, ma langue. Quand je travaillais bien, mon regard revolvait. Le mariage avec un beau gosse comme moi n'est pas facile. Supporte bébé. Ah, attends. Attends donc. Non seulement tu es en train de demander pardon, mais c'est toi qui te prends encore la tête. Donc tu m'écris que ça va me toucher. Tu viens encore, tu vas te prendre la tête. En tout cas. Moi. Que j'ai appris ma décision. Je ne pleure pas, pardon. Je veux te offrir la terre. C'est mon trésor. Je ne peux pas me tromper. Tu ne penses pas que je suis ton trésor. Maintenant, tu viens en live, dis comment je suis ton trésor. Comment tu vas me offrir la terre? En fait, c'est que. C'est qu'à la base, d'abord, En fait, je l'ai beaucoup aimé, vous voyez. Je l'ai beaucoup aimé et... Ça me fait vraiment mal de le quitter de la sorte. Il est adorable, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il est très, très adorable.
C'est son côté, c'est son infidélité là qui me fend le cœur. Parce que moi, je lui donne tout, je ne le trompe pas. Léa aime mon ventre, parle-toi même. Tu disais que mon ventre est ton bureau, est ton berceau, non? Oui, mais je disais ça quand j'étais amoureuse. Est-ce que maintenant je suis encore amoureuse? Ricky dit quoi? Madame, je pense qu'en attendant le divorce, ce monsieur reste votre mari. Marie, soyez sage et respectueuse malgré les souffrances. Merci, bonsoir depuis la Suisse. Non, mais vous pensez vraiment que c'est facile? Vous savez ce que j'ai dû endurer quand j'étais chez lui? Je n'ai pas refusé, mais c'est un monsieur que j'ai toujours respecté et honoré. Vous pensez que ça me fait plaisir de lui avancer toutes ces paroles méchantes et tout? Tu m'aimes, je sais. Bébé, arrête, tu me fais pleurer en l'œil. Bébé, arrête d'avoir ça. Remets le bague là, sinon je prends tout mes biens. Je t'ai doté, n'oublie pas. Tu sais.
tu as promis que tu vas me faire grandir. J'attends. Fiche le camp. Tu veux. Je n'ai pas aimé. Ça avait trop dur. Sengo, arrête ça maintenant. J'ai dit pour sa cœur. Pour sa cœur, il n'était pas bon. Maintenant, j'ai dit, je vous aime plus et tout. Et c'est mieux, c'est doux, ça n'a pas d'huile. C'est vraiment, c'est bon. Pas trop sucré, c'est bon. Donc, je ne vous posais pas de la vie. J'annonce que Dieu est béni sur Christ. Puis on va parler du Fouca aussi. Je pense que je... Non, quand tu vas venir ici, tu vas faire mes... Bébé, je suis en live, non? Grandis-moi d'abord, après tu pars. Je pense que je vais vous laisser. En fait, ça, je fais quoi à l'école? Léa me aime comme ça. Je vais bloquer tous les mauvais commentaires. Je te aime, mon diamant blond. En fait, je me sens mal. Je sais pas. Chaque fois que le gars s'essaye, vous avez vu, non? C'est comme ça que chaque fois qu'il me trompe, après, il vient se comporter. Vous-même, vous voyez, non? Je sais plus. Je me suis connectée parce que je voulais faire... Je voulais faire rire mes abonnés. Voilà comment tu débarques encore. Je... Mes amours... Je me reconnecter peut-être demain. Laissez-moi digérer un peu l'histoire. Si. S'il te plaît, ne quitte pas Sengor. Sans toi, il risquait de grandir. Mais qu'il grandisse, non? Je suis fatiguée. Le faux master. Mes amours, on dit quoi, Sengor? Sengor, je peux rien te dire là en direct. Je peux rien te dire en live, contrairement à toi. Je peux rien te dire ici en live. Parce que quand on s'est rencontré, c'était pas sur la toile. Et toi, me raconte comment j'ai dépensé mes milliards sur toi. Va là-bas. Tu as dépensé quel milliard sur moi. Arrête ça, hein. Arrête ça, Sengor. Tu as dépensé quel milliard sur moi. Hein? Tu as dépensé quel milliard sur moi. Non, mais arrête ça. Oula. Tu as dépensé quel milliard sur moi. Vous, tu voulais dire les millions. Arrête ça, hein. Pourquoi tu es en train de nous exposer? Tu es en train de nous exposer. C'est tout à cause de toi qu'on m'a agressé pour prendre mon galaxie de notre 10+.
Et tu racontes pas tout, oh, je l'ai acheté au téléphone, j'ai acheté au téléphone. À cause de toi, on a arraché mon téléphone. Tout est truc que tu penses que tu me donnes le milliard, quel milliard? Ah, mes amours, si tu me quittes, je dors avec trois femmes aujourd'hui et je vends tes choses. Attends, tu es en train de vouloir te faire pardonner? Tu es en train d'excuser? Et c'est toi qui me conditionne, c'est toi qui me menace encore, c'est ça? Si tu me quittes, je dors avec trois femmes aujourd'hui et je vends des choses. Mais attends, on est où là? Ça va. Seigneur, tu sais quoi? Fais comme tu veux. Fais comme tu veux, il n'y a pas de problème. Fais comme tu veux. Va, dors avec trois femmes. Dors avec 40 femmes. Dors avec 100 femmes. Et vends tout. Voilà, va, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Mais ça, c'est quoi? Poupina, ça, c'est quoi? Attends, je pensais que tu étais en train d'essayer de te faire pardonner. C'est toi qui essaies de te faire pardonner. C'est toi qui me fais le chantage encore. Hein? Toutes mes choses, là, c'est quoi? Il y a trop quoi là-bas que j'ai laissé? Va vendre, va dormir. Dors avec tes femmes aujourd'hui, va dormir, ça va. Ça, c'est quoi ça? Ouais, Stevie, Nubisi dit, pendant ce temps, je t'attends toujours pour l'émission déballage. Ouais, mon bébé, le temps, ma chérie. Je vais trouver du temps. Je vais trouver du temps pour venir là-bas l'émission, pour venir faire mon émission là. L'amour pardonne tout, Léa, inbox notre ami, le linge, ça se lave en famille. Mais celui qui a mené ça sur la toile. Moi, quand j'ai vu la vidéo, j'étais choquée depuis la veille. J'ai vu, j'ai rien dit, j'ai pris ça sur moi, j'ai rien dit. Hmm? Celui qui a de son téléphone, d'abord, il donne son téléphone pour qu'on filme comme il est en train d'embrasser une autre femme. Après encore, il permet qu'on mette ça dehors. Hmm? Non, mais moi, j'ai fait quoi? Moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Tu me connais, non? Je vais te taper mal. Arrête de dire de la et pense et passe ici. Bédu. Attends, le gars, c'est mon. Tu sais qu'il est sourd, il est ivre ou il est là. Qu'est-ce qui t'arrive même? Tu me connais, non? Je vais te taper mal. Arrête de dire là et passe ici. Attends, c'est un ordre. Tu me donnes les ordres. Tu penses que c'est encore. Tu me donnes les ordres. Tu vois que tu rêves, hein? Ou j'ai bu. Tu as bu tes chivas là. Est-ce que ça tourne dans ta tête? Tu donnes les ordres à qui? Tu as vu ton gagnant encore sur mon doigt? Hein? Oh, je ne veux pas mourir pour toi. Pas avec ta malchance. Pardon, pas. Ah. Parce qu'elle dit qu'il va me taper. T'es chose que tu arrêtes mes pieds, mes orteils, avec mes doigts là. Tu peux me taper. Si on dit vraiment qu'on bagarre, tu sais ce que tu peux me taper. Tu peux me taper, je suis désolée, tu peux me taper. Il dit quoi qu'il me tape parce que les gens vont croire. Tu veux souiller qui? Quand il dit qu'il va me taper, il arrête mes orteils hein, et mes doigts ici. Tu peux me taper. Tu peux me taper. Même si tu montes sur les chaises, tu ne peux pas me taper. Arrête ça. Arrête ça rapidement. Tu peux pas me taper, je suis désolée. N'importe quoi. Tu vas trouver une homme beau comme moi. Avec ton français des alignés là. C'est toi qui ne peux pas causer en français. C'est toi qui viens me chercher un problème. C'est toi qui m'écris sur Facebook. Toujours pour me ridiculiser. Et passer dans les carreaux, on va dire que mon gars ne connaît pas écrit. Actuellement, c'est un gars à l'agent du tournage avec aussi. Si tu le laisses, il va manger ça avec les autres femmes. Qu'il aille manger comme d'habitude, non? Léa, je veux te arracher quand. Je veux te attacher quand tu dors. Tu vas me attacher quand je dors, que tu vas d'abord me voir encore ou pour me attacher. Que je vais te attacher quand tu dors. Tu vas me attacher que dans la sorcellerie. Tu vas me voir où? Hein? N'importe quoi.
Bon, les choses comme ça aussi que tu me suis avec sur Facebook. Pendant tout le temps qu'on était mariés aussi, j'ai acheté plus de 50 cahiers de 32 pages où je te disais que bébé écrit comme ça. J'étais appris à écrire pendant ben, 8 mois, bientôt un an qu'on se mariait. Ton meilleur passe-temps, nos meilleurs moments, c'était quand je t'apprenais à écrire, à lire A, B, C. Te voilà sur Facebook. Tu connais quand je monte sur mon tabouret là, non. Je saute sur toi. Dieu du ciel. Pourquoi je me tue? Seigneur, tu sais quoi? Il dit dégapi. Dégapi. Il y a mal à la main. Alors on part. Faut partir. Les amants ont dit quoi? Moi, je suis fatiguée de 50 dollars. Je suis fatiguée de lui. Il a la gueule. Si je rentre chez 50 là maintenant, il va recommencer encore avec sa gueule. Il va dire au voisin que là, voilà qu'il est rentré. Non, je vous avais dit qu'elle devait rentrer. Tu es la femme de 50 dollars. Ago, tellement tu aimes blaguer. Que je te crois pas, c'est vrai, c'est mon mari. Tu m'es en train de divorcer. Mais tu es où je viens te prendre. Je veux pas que tu viennes me prendre. Je veux pas que tu viennes me prendre. Comme tu me vois là, tu vois, on me voit sur Facebook maintenant parce que je viendrai plus jamais te voir en face. Je vais t'esquiver comme la peste. Ne laisse pas Senghor. Si tu le quittes, il risque de prendre la taille. Pourquoi depuis tu ne le bloques pas? Je ne peux pas le bloquer. Il reste encore mon mari. Je ne peux pas le bloquer. On n'a pas encore divorcé. On s'est marié. Il a fait le mariage coutumier, le mariage civil. Donc je ne peux pas le bloquer. Jusqu'à preuve de contraire, il reste encore mon mari. Ou bien, voilà. Comment peux-tu épouser un homme petit comme celui-là? Mais parce que je l'aimais, c'est un homme. Tu as bien dit un homme. Ma chérie ne répond plus. Il est peut-être saoul. C'est une façon de te demander pardon. Laisse. Ok, Julienne, j'ai compris. Ne go pas sans nous faire un petit socorro. Où c'était? Arrête de faire genre toi aussi. Tu le kiffes toujours. Mais c'était mon mari. Je sais pas. Je l'aimais. Vous pensez que l'amour disparaît comme ça? Walter va bien. Dis à tes copines qui te conseillent là que je vais les taper mal. Toi aussi, arrête de dire que tu vas taper les gens. Tu n'es pas King Kong Senghor. Tu es tout le temps en train de dire comment tu vas taper les gens. Tu es King Kong. Arrête ça. Arrête ça maintenant. Tu es toujours en train de dire que tu vas taper quelqu'un. La dernière fois, j'ai dit que tu devais taper. Tu devais taper Stella. C'est pour ça que les parties, on l'a agressé. On a dit que c'était toi. Tu es toujours là pour dire comment tu vas taper. J'arrête avec ça. J'aime pas ce langage. Arrête ça. Mariamon, il y a le rianto là-bas, j'ai table. Pardon pour le rianto au frigo, pardon. Le gars m'a trop fait babader. Si tu négliges Senghor, je veux protéger. Laetitia, si tu espères que tu as le cœur aussi en même temps. Je t'aime. Je dois te faire le métis. Tu connais. Il y a les métis dans ta famille. S'il te plaît, ne laisse pas Senghor. Si tu le quittes, il risque. Mastas. C'est la nature, laisse tomber. Je suis fatiguée, mais après, ça me fatigue. Je suis fatiguée. Merci, Bé. Donc, le mariage est fini alors. Trop gassé. Mmh.
Seigneur, tu m'as fait rougir, voilà. Pas d'Ivan, t'as pas d'Ivan, prends-moi bébé, je suis à toi. Ok, d'accord. Je vous dis d'abord, le gars, c'est un éternel bordel. Même si je le pardonne, sans vous, il va jamais changer. Il va jamais changer. Moi, je suis juste fatiguée. Je suis fatiguée, gars. Moi, je veux pas vieillir, mourir pour quelqu'un qui me respecte même pas, qui me donne pas de respect, qui ne m'honore pas. Je peux pas. Je ne peux pas. Ça va. Moi, je veux plus rien parler en live. Si il veut continuer d'écrire, moi, je veux plus lui répondre. T'es dit, Sylviane, qui me laisse en paix? Supporte le mariage. J'ai assez supporté. Supporte le mariage. Ma mère, ne laisse pas tes ex se moquer de toi. Ils se sont rien moqués. Il y a de l'occasion à mes ex de se moquer, non? Ma chérie, dans chaque couple, il y a toujours des problèmes. Il faut lui pardonner, rentrer à la maison. Non, je me sens bien ici. Il était venu me retirer ici chez moi pour me ramener là-bas chez lui. Où il a dit qu'il devait m'honorer, mes chéris, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il m'honorait quand? Il m'honorait où et quand? À part le jour qu'on se mariait là. Il m'honorait encore quand? Jordan. C'est vraiment un coup pour le buzz. Mais c'est mon mari, comment ça se le buzz? Penser que je vais prendre une caméra braquée sur moi sur Facebook comme ça pour faire un buzz. Mes amis ont dit quoi? Je vais recevoir ma soeur, elle est là depuis, je la gère même pas. Je pense que c'est un god thème, sinon il devrait être indifférent à ton life. Bref, je pense que vous. Donc, je pense que vous aimez. Pardon ma mère, il faut pardonner. Peut-être il était sous l'air. Si ton mari est dans ton direct, il tient à toi. S'il te trompe, c'est parce que tu le négliges. Je le néglige pas. Je prends tellement bien soin de lui. Ok, Senghor, tu es l'oncle de grand-père avec son infidélité. Oh, ne mettez pas la bouche dans mes problèmes avec Léa. Je vais gifler personne ici. Ha! Vous avez vu, non? Ce qui m'énerve, c'est qu'il est toujours en train d'agresser tout le monde. Il veut toujours bagarrer avec tout le monde. Ça, c'est un truc qui m'énerve d'abord chez lui. Tu es plus jolie de jour en jour. Merci, grâce. Petite soeur, sur le monde est des sitars. Faut pardonner. Oh, pardon, va chier là-bas. Tu me négliges. Je te néglige pas, Sengo. Arrête ça. Je t'ai jamais négligé. 5h30, je suis debout. 5h30, je suis debout parce que je dois faire ton déjeuner. Je dois cuisiner avant midi. Je dois repasser tes vêtements. Je dois tout faire. Arrête ça. Je t'ai jamais négligé. Donc arrête ça rapidement. Je t'ai jamais négligé, moi. Tu m'arrêtes ça. Tes petits caleçons que je lavais là. J'ai lavé tes caleçons dehors. C'est comme les enfants d'un bébé que j'ai accouché. Mon merci, c'est d'aller au Yabaki me tromper sur les canapés d'embrasser une autre fille. Achète-lui les pantalons, s'il te plaît. Ne lui achète pas les culottes. Il n'aime pas les pantalons. Si tu ne rentres pas, il va prendre une autre femme et tu regretteras toute ta vie. Parce quoi? La soqueuse est finie, le soco, si j'ai un soco chouchou. Sur WhatsApp. Ok, Kamel, va déjà m'écrire sur WhatsApp. Cou, cou, cou. Léa a dit qu'elle va te taper avec son orteil. Oui, tu me fais plus les câlins. Tu sais que j'aime ça. Mais toi, tu me fais les câlins. Tu peux embrasser tout le monde. Maintenant, tu viens réclamer les câlins en direct. Tu sais que j'aime ça. Tu vas encore me voir dans l'eau. Je rentre plus dans la maison là. Tu vas rester là-bas seul. Arrête de mentir, ce n'est pas ton gars, c'est mon mari, Nathan. C'est mon mari.
il doit te quitter. Car une femme qui fait le live pour exposer son couple, ce n'est pas bien. Je ne vais pas exposer mon couple. Vous êtes conscient que celui qui est venu commencer à tout raconter en live, je n'ai rien exposé. Déjà, la vidéo qui circulait sur la toile, c'est moi qui ai mis ça sur la toile. Qui battait embrasser les filles, il y a Baki Prestige. C'est moi qui ai embrassé. Il me prend mon bouquet vraiment. Envoie-moi ton IB, s'il te plaît. Ils sont des buis, non? C'est gosse, un bon gars. Pardon, maman, ne le laisse pas. Il a raison d'être agressé. Pourquoi tu exposes sa vie privée? Je n'ai pas exposé sa vie privée. C'est lui qui a exposé sa vie privée. Ne nous déconcentre pas, Poupie. Poupie en live. C'est votre problème. Mais si ça fait le mariage, Gamu, je reste célibataire, je suis excessif et je déteste l'infidélité. Le gars, il est très infidèle, maman. J'aime quand tu dis que je suis ton mari. Mais tu me maries encore jusqu'ici. Mais on va divorcer. Moi, je suis en train de divorcer. Je voulais éclaircir quelque chose parce que il est en train de dire que c'est pas ton gars. Je suis un truc. Moi, je dis jusqu'à preuve de contraire, tu es encore mon mari. Et voilà, je respecte encore ce fait. Mais je vais divorcer, c'est tout. Tu sais, quand je te serre dans mes bras. Singo, laisse-moi, pardon. C'est pas parce que je suis partie maintenant que tu avais me rappeler les choses. Laisse-moi tranquille, pardon. Laisse-moi tranquille. Linda dit que mon cadeau de mariage est où?